Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweety et aujourd'hui on va réaliser le millefeuille de Christophe Michalak. C'est un millefeuille composé d'une pâte feuilletée bien caramélisée et garnie d'une crème diplomate au mascarpone. Alors suivez bien les étapes, c'est parti! On commence par la cuisson du feuilletage. Je récupère la pâte feuilletée réalisée la veille que je divise en deux. J'ai besoin de 350 g de pâte feuilletée. Je farine bien la pâte et l'étale à 2,5 mm d'épaisseur tout en essayant de former un beau rectangle. Une fois que j'ai la bonne épaisseur, j'enroule la pâte feuilletée autour de mon rouleau et viens la déposer sur une plaque munie de papier sulfurisé. Je mets une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus ainsi qu'une deuxième plaque de cuisson et j'enfourne dans un four préchauffé à 165 degrés pour 30 minutes de cuisson. Après 30 minutes, je sors la plaque et augmente la température à 240 degrés. Je récupère la pâte feuilletée cuite, je saupoudre entièrement de sucre glace et je renfourne jusqu'à ce que le sucre soit entièrement caramélisé. Comptez environ 3-4 minutes, attention, ça va très vite. Je retire le feuilletage caramélisé du four et le fais refroidir sur une grille. Ensuite, je viens parer les côtés à l'aide d'un couteau-cille, de sorte à avoir un rectangle bien net d'environ 30 cm de base pour 25 cm de côté. Je détaille alors 3 bandes de 10 cm, aidez-vous d'une équerre pour avoir des bandes de taille égale. Place maintenant à la réalisation de la crème diplomate. Une crème diplomate est une crème pâtissière collée à la gélatine dans laquelle on vient introduire de la crème montée. Pour la pâtissière, je vais chauffer dans un poêlon le lait avec la gousse de vanille. En parallèle, je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre. Il faut bien mélanger pour éviter que le sucre cuise les jaunes. Ensuite, j'ajoute la maïzena et j'attends que le lait soit à ébullition. Une fois que le lait est à ébullition, je verse les 3 quarts sur le mélange de jaune d'œuf et je mélange bien. Désolé pour la vapeur, on ne voit pas grand chose à cette étape. Ensuite, je remets le tout dans le poêlon et je cuis la crème pâtissière sans m'arrêter de mélanger. Une fois qu'elle épaissit et qu'une ébullition apparaît, il faut compter encore une minute de cuisson avant de retirer du feu. J'ajoute ensuite la gélatine préalablement réhydratée dans de l'eau froide. Je réserve la crème pâtissière de côté, elle doit refroidir à 30 degrés avant d'être utilisée. En attendant, je monte la crème dans un bol froid. Je mets le mascarpone avec de la crème fleurette, tous les deux bien froids. Je viens casser le mascarpone en petits morceaux pour éviter des projections lorsque je vais fouetter la crème. Malheureusement, ça ne suffit pas, donc je vais transvaser le mélange dans un bol plus grand pour ensuite fouetter la crème et avoir une consistance bien ferme. Je finis souvent de monter la crème au fouet manuel pour être sûr d'avoir la texture que je veux. Je récupère ma crème pâtissière que je mélange bien au fouet, elle doit être aux environs de 30 degrés. Ensuite, j'y ajoute la crème montée au mascarpone en deux fois et à la maryse. Si j'incorpore toute la crème montée en une fois, le mélange risque de se faire moins bien et on risque de faire retomber une partie de la crème montée. Une fois homogène, je la mets dans une poche à douille munie d'une douille Saint-Honoré et je la réserve au frigo minimum une heure pour que la gélatine agisse et fige la crème. Place maintenant au montage, je poche de la crème diplomate sur une bande de feuilletage côté non caramélisé et je l'étale pour être sûr d'en avoir partout. Je dépose par-dessus une deuxième bande de feuilletage, choisissez la moins belle car celle-là on ne la verra pas de l'extérieur, et je répète l'opération précédente. J'ajoute enfin la troisième couche de feuilletage côté caramélisé par-dessus. Il faut ensuite retourner le millefeuille et le déposer sur la tranche. Christophe Michalak a imaginé cette façon de présenter le millefeuille car c'est plus facile de découper une part. Ensuite, je fais une petite décoration avec la douille Saint-Honoré, je pose une gousse de vanille par-dessus et c'est fini. Comme vous pouvez le voir ici, la découpe est assez facile, normalement il y a de la crème qui sort de partout. Mais forcément, comme on le voit ici, le gâteau manque un peu d'équilibre, peu importe, il est super bon. Et voilà, c'était la recette du millefeuille de Christophe Michalak. N'oubliez pas que le millefeuille est un gâteau qu'il faut préparer le jour même étant donné que le feuilletage a tendance à ramollir en contact avec la crème. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Plein de nouvelles recettes arrivent. Alors abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.